Alors, hop. Donc, je suis où là? Je suis où? Je suis où? Champ de pommes. Allez, go. Bon, alors, autant dire que c'est une première entre guillemets que j'avais un petit peu testé le Altis Life. Là, je me lance à tester le Altis Life. Il faut que je baisse un peu le son du live. Voilà. Voilà. Je me lance à tester le Altis Life Oignon. Donc sur serveur Oignon. Voilà, je découvre un petit peu. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas trop comment je vais être accueilli par les autres bonhommes. On va voir. On va voir. Je crois que je vais mettre. Alors, je vais essayer de me mettre. Donc, je vais me mettre en parallèle une fenêtre sur le site d'Altis Life Oignon. Alors. On va aller sur le wiki, voir un peu ce qu'il faut faire, comment ça marche. Alors, les règles générales du serveur. Bon, le cheat, véhicule terrestre, il est interdit d'écraser des gens, ouais, ok. Se mettre lentement dans un véhicule, essayer d'entrer dans un véhicule stationné en safe zone qui ne nous appartient pas, bon, véhicule aérien, les bateaux, vol à main armée. La douane. Les attaques de banque, les prises d'otages. La nouvelle vie. Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas faire vengeance vous-même. Si vous êtes tué, non, là, si vous cliquez sur. Et ce, peu importe la raison, ce n'est pas une nouvelle vie. Si vous êtes poursuivi par des personnes qui veulent vous nuire et que vous montez dans un et que vous mourrez dans un accident, ceci est considéré comme une nouvelle vie. D'accord. Vous êtes arrêté ou tué. D'accord. Les retours à la zone sont fixés à 15 minutes hors banque. C'est sévère. Hein? C'est sévère. La police. Hein? Les pompiers, les gangsters. L'IPN. Les armes. Donc les armes dites légales sont uniquement les armes de type arme de poing, pistolet, non mitrailleur. La vente d'armes de police est illégale. La prison, zone sous contrôle rebelle. Ok. Moi je voudrais un petit peu plus qu'il me détaille.
Comment est-ce qu'on... Attends, comment on fait apparaître un menu là? Là, c'est mon inventaire. Il y a ma montre. Ouais. K, c'est ça. J, ok. Alors, J, joueur. C'est quoi ça? Ok, c'est joueur. D'accord. Ouais, Wiki me donne pas vraiment. Et deux joueurs, alors. Ok, civil. Ah, touche Y, menu principal. Inventaire Y. Inventaire virtuel. D'accord. Ok. Ah, désolé, je vous ai pas vu. Mickey, salut, bienvenue. Reste. Alors, reste, s'il te plaît. Salut, bienvenue. Bienvenue. Là, je découvre, je suis désolé, je vous ai pas vu. J'étais en train de lire l'aide. De lire l'aide d'Oignon, d'Altis Life Oignon. Alors, Y, menu principal. Ok. Alors, I, U, ok, X, s'accroupir, s'allonger, changer de vue, caméra libre. Alors, touche Window, action de ramasser pendant un farm. Ok. Donc, choix de canal de communication. Alors, communication directe, parler aux joueurs proches de vous. Ok. Alors, ça, c'est normal. Touche tab. Pourquoi tab? Non, j'ai... attends. Comment on sort de là, là? Fermé. Non, c'est pas touche tab, moi je sais caplock pour parler. Touche shift permet de baisser le son. Attends, putain, il va se relever. Les sons en jeu, cela concerne un niveau d'audio normal. Pour les paroles, d'accord. Permet de parler sans garder. J'enfonçais. Ouais, bon, en fait, c'est. Ok. Permet d'écrire dans le canal. Touche affiche. Affichage de la map, c'est normal. Affichage du GPS. Ok, on a un GPS donc aussi déjà. Non. Pourquoi il me dit shift machin? C'est pas shift, c'est contrôle, c'est pas contrôle. Walt. Bon, marche pas. Ouais, même si c'était contrôle, ouais, je sais plus. Non, je sais pas. Alors, ah, dans le champ de pommes. Alors, Y. Attendez, je vais revenir sur la fenêtre de chat. Ok, voilà, comme ça, ouais. Je vois ce qui se dit. Alors, mon gang, porte-clés, téléphone. Déjà un téléphone. 17, 18, admin, ok. Alors, faire là. Sauvegarde, fermée, paramètres. Ok, c'est la distance de vue, tag joueur. D'accord.
Mouvement, c'est quoi ça? Oula, d'accord, ok. D'accord, trois pommes. Et pourquoi je l'ai pas dans mon inventaire, les trois pommes? Ah, je l'ai là. Voilà, ok. Oula. L'inventaire n'est pas le même. Ok. L'inventaire n'est pas le même. Alors, trois pommes par arbre, putain, je vais pas aller bien là. Hein. Je vais pas aller bien loin. Alors. Je vais continuer à regarder un petit peu l'aide. Donc là, ok. Ah, mais j'éclate que comme ça. D'accord. Ça, ok. La fourrière. Ok, pour les touches. J'ai vu. Alors, tuto aide au nouveau joueur. Je peux pas reprendre. Ah si, je peux reprendre. Voilà. Est-ce que je peux encore en prendre? Ah, j'ai plus de ça dans mon inventaire, d'accord, ok. Superette, est-ce qu'il faut aller à la superette dans mes trucs? Alors.
Bon, allez. Alors, supérette. Est-ce que je peux les vendre? Je vais en vendre 20, j'en garde. Ok. D'ailleurs, il a quoi, cette supérette? Alors, qu'est-ce que je peux acheter? La bouffe, pioche. Tiens, pioche. Bague de mariage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut visiter? Vendeur de licence, tiens, allez. Donc 20 pommes, 800 $. Alors, permis de conduire, 1500, permis de bateau, licence de pilote, oh, permis de poids lourd, truc de dingue ça. Willy, salut! Mister Cool Jack Miller, comment vas-tu? J'ai vu que tu jouais à Rocket League tout à l'heure et je dis tiens, si je finis de bosser plus vite, j'essaierai de le rejoindre et puis, et puis j'ai pas réussi. Voxel, salut! Salut tout le monde! Je teste Altis Life Oignon. Qu'en dire que voilà, c'est pas tellement mon truc, mais bon. Voilà, je teste. Je teste. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va aller voir? Vendeur de vêtements, tiens, on va aller voir là-bas aussi. Donc là, je fais le tour dans la safe zone, un peu tout ce qu'il y a. Bon, écoute, si t'en refais hein, dans la soirée, moi je suis preneur, hein. Preneur pour se faire un petit Rocket League, histoire de monter en niveau. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas faire de match classé en 4 contre 4. Bon. Pas grave. Alors, attends, j'ai un peu des habits de merde là. J'ai un peu des habits de merde. Par contre, il n'y a pas les prix. Ah si. Ah ouais. On peut en cliquer plusieurs? Chapeau, lunettes, sac à dos. Ah, on va prendre des sacs à dos aussi. Ah, j'ai ramassé 20 pommes, ça m'a fait 800 $. Je peux peut-être me payer un peu des vêtements, peut-être là. Qu'est-ce que je pourrais me prendre là? Oh non, je vais prendre des trucs tout faits, des uniformes là. Combien ça coûte ça? Allez, soyons fous. Voilà, hop. Par contre, je vais me prendre. C'est con qui ressemble juste au cul. Ah putain, c'est merde. Je vais me prendre un sac à dos autant. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué la capacité là? Je suis quel niveau à Rocket League? Très bonne question. Je sais plus, je te dirai des conneries là. Si je te dis un chiffre, je te dirai des conneries.
Mais ouais, je sais plus, ça fait un petit moment que j'y joue, mais bon, après j'ai pas forcément bien monté en niveau. Mais ouais, je sais pas, non, 20, 30, oh, je sais plus, non, je te dirai des conneries. Faudra qu'on fasse ça tout à l'heure. Alors, paquetage, le truc c'est que je sais tout. Oula, ah non, mais ça c'est parachute. Multifonction, 2000 $, 2500 $. Bon, je suppose plus ils ont cher, plus ils ont de capacité. 1500, ça fait un peu beaucoup quand même. Paquetage de terrain, 1000. Il va pouvoir me rester après. Hein. Il faut que je ramasse 200 pommes après. Paquetage de terrain. Hein. Allez, je vais acheter celui-là et je vais aller ramasser des pommes en pagaille. Comme ça, au moins. Ah, je vous pas assez d'argent. Pourquoi j'ai combien? Je sais que c'est marqué, mais. C'est marqué mon flouze là. Oh. Putain, je suis sur la paille ou quoi là? Attends, combien j'ai. C'est où mon fric là? Ah, mais il y a la banque. Je vais retirer la banque, voilà. Pff, aussi. Comment on fait? Où est-ce qu'elle est la banque là? Elle est où, cette banque? Ah, et ATM. Hop là. Là-bas, distributeur. Distributeur là-bas. Allez, hop. Allez, distributeur. Alors. On va. C'est quoi ça? Alors 1000 retirés. Voilà, hop, il y en a. Doucement, doucement. Hop, alors s'acheter un sac à dos. Celui à 1000 boules, voilà. Hop là, voilà. Hop, comme ça, je vais pouvoir acheter des pommes. On va se remettre un truc sur le champ de pommes. Je crois que la pêche, ça rapporte un peu plus, il me semble. Il me semble que. Etron, salut! Salut, bienvenue à toi. Ok, ça marche. Je pense que je vais faire jusqu'à. Allez, je vais essayer jusqu'à 9h30. Peut-être un peu plus, faire du. Continuer un petit peu à tester. Et tester ouais, Altis Life Oignon. Et puis après ouais, autant je te rejoins sur quoi, je vous rejoins sur Rocket League. Pour l'instant j'ai un petit peu continué là. Je voulais voir un petit peu. Alors c'est pas les règles, il faut que j'aille sur Wiki Oignon. Voilà. Je crois que j'avais vu marqué. Fourrir. Non, où c'est que j'ai vu là ça? Non, où c'est que je l'ai vu? Où c'est que j'ai vu ça? Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Avocat, règle générale. C'est ça? Non, c'est pas là. Les bateaux, shit. Nouvelle vie, mort, pompier, gangster, non, centre électrique, anti-service, non, c'est pas ça. Ah, aussi que j'ai vu ça, l'avocat, non. Peut-être guide des ressources, voilà, c'est ça. Donc, les pommes, alors.
Galois. Pêche. C'est quoi les trous? Attends, il y a quoi autour là? Champ de pommes. Champ d'oignons. Ah, les oignons. Ah, ça rapporte plus les oignons. Allez, on va là-bas. Go. Oignons. Oignon City. Alors, par contre, faut que j'assure aussi la bouffe et tout ça là. Je me suis gardé 2, 3, 4 pommes. Je me suis gardé 2, 3, 4 pommes comme ça. C'est comment que tu peux donner un peu les coups de poing là, tout ça là? Pas taper là. Bon, du coup, je sais pas si c'est bien prudent de se balader comme ça la nuit. On verra. Allez. On découvre. On part à l'assaut du champ d'oignons. On va voir comment que ça se passe. C'est quoi cette stat là d'oignon 80%? Faut que j'en bouffe pour survivre aussi ou? Allez, on arrive près du champ d'oignon. Hop, non, si c'est bon, ça marche. Deux oignons à chaque fois. Oh putain. C'est combien la guide des ressources? Oignon 55, ouais c'est ça. Le 20. Ah oui, pour l'exploiter, d'accord. Archéologie, il faut un bateau, d'accord. Pierre, ciment, sel. Ah, il tord trafic de cocaïne. Ah, ça porte bien. Hein. Méthamphétamine aussi, ça va. Uranium, pas mal. Cité archéologique. Rien. À découper sur les civils. Ok. D'accord. Ah, mine d'or, il faut une pioche. D'accord. Côté gauche, la mine se trouve côté gauche de la map. La mine se trouve au côté gauche de la map. Voilà. Voilà. C'est la raffinerie. Ah, marijuana. Tortue. Dealer d'organes. Bon.
Allez, on continue à ramasser les oignons. Du coup, est-ce que je les vois où les oignons? Non, je les vois pas là. Hein. Non. Non, je les vois pas là. Et 42. Ok. On ferme. Et pourquoi j'ai plus de place dans mon inventaire? Je peux pas le basculer dans le sac, ça? Utiliser. Je peux en bouffer de ça? Je suis bien trop lourd, putain. Ouais, j'avance pas, quoi. Ok, je suis trop lourd, trop bouffé. J'ai trop bouffé. Bon, je vais retourner. Qui est c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Supérette, vous voulez vendre la supérette là-bas. Alors, bon, un petit peu cavaler parce qu'on va pas s'en sortir. Allez, je vais aller revendre les oignons machin, histoire de me faire un peu des sous. Faudrait que. Nico. Tiens, je pourrais voir. Allez, on va vendre tous ces oignons. Antonio, oh, bien, 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 bien. Du coup, hop, bien. Licence bidule, c'est là. Que ça me gave. Ah, permis bateau, permis de conduire. Alors, tu as acheté cet élément, permis de conduire. Non, c'est bon, pas permis de bateau. Alors, j'ai un permis de conduire. Licence, permis de conduire, d'accord. Sauvegarde, ça veut dire quoi ça? Faut attendre 20 secondes pour... Il y a un timer ou pas là?
Est-ce qu'il y a un timer, monsieur? Est-ce qu'il y a un timer? Quitter là, que je peux quitter là. Voilà. Touk. Alors, vendeur de vêtements, quincaillerie, concessionnaire. Hop. Je vais voir là-bas. Je vais me faire une idée de. Ça, je me fais une idée un peu de ce que peut coûter. De ce que ça peut coûter un véhicule. Ça, je m'achète un véhicule. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on peut les stationner. Si on peut les stationner n'importe où. Ah. Peut-être que je m'inquiète à acheter de quoi boire là. Donc là c'est le garage et là c'est le concessionnaire. Alors combien coûte une voiture? Skoda. Lamborghini. McLaren F1. Ok, d'accord. Volkswagen. Pourquoi est-ce que Gazan K, c'est quoi ça? 6600 prix d'achat. Ah, faut que je suis sur moi, putain, je peux pas payer avec la carte là. ATM, il est où là? Ah, il est au bout de la rue. Ah, champ de pêche. J'ai combien sur moi là? Ah, mais je peux rien. Ah, j'ai 1000. Elle fait 6000. Alors, ATM doit être pas trop loin. Yeah.
Donc j'ai 1000, 1000, on va tirer 5600. Ok, alors attends, ce qu'il fallait que je regarde, c'était donc les ressources, on s'en fout, aide aux joueurs. Alors. C'était quoi pour baisser ces shifts? Ça ouais. Ça ressemble au. Ça aussi qui a des bouchons d'oreille sur. Sur Exile. Alors. On est là. On a l'hôpital là-bas. Poste de police qui est là. Transport de fret qui est ici. Ok. Caserne. Pomme. Mine de roche. Concessionnaire de poids lourds, station de service. Revendeur de véhicules volés, d'accord. Mine de sable. C'est quoi ce truc bleu en fait? C'est une frontière? Alors, attends, je vais voir un peu ce que je peux faire ici. Là. Je dois pouvoir laisser mon véhicule là. Alors, recharge le véhicule. Assuré. Un véhicule dans le garage, c'est quoi? Peut-être que j'en sais un peu plus, non? Garage. Attends, j'ai marqué garage civil. C'est-à-dire quoi ça?
Ça va, hein, on est bon. Hein. Ah, douane, d'accord. C'est la douane, ok. Bah, écoutez, on va faire notre première expérience de douane. Ce poste, ce truc là, qu'est-ce que j'ai pris comme merde encore? Ah, c'est pas possible, ils ont foutu un imitateur dessus. Attention, je fais une pointe là. Attention, je fais une pointe. Non, je dois arriver pas très loin de la douane là, non? Ouh là, je suis encore loin. Oh, putain, mais ça avance pas. Pourquoi j'ai pris ça là? Fuel. Après, il va y avoir une information sur le fuel et tout ça là. C'est où la frontière?
Ouais, c'est bien fermé là-bas. Ah oui, d'accord, c'est matérialisé par une muraille. Ok. Interdit de survol. J'arrive déjà pas à avancer avec ma caisse. Et que je la survole, je risque d'avoir du mal. Et aux garages civils. Ouais, faire quoi là? On part d'apéro quoi là? Personne quoi. Véhicule ou sinon je tire. Sors ton véhicule. Sors ton véhicule. T'as 3 secondes pour sortir. Viens vers moi. Pas de geste brusque. En courant. Tu vas dans la tour là-bas. S'il te plaît. Dans la tour là-bas. Plus vite, tu t'arrêtes pas. Non, 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 pas là, pas là. Tu passes par là.
Ok, très bien, tu iras celle-là. Main sur la tête maintenant. Tu mets les mains sur la tête s'il te plaît. Attends, comment tu fais pour les mains sur la tête? Ah, je te pique ton téléphone avant, t'as plus de communication. Tu fais H. Ah, très bien. Bon, tu faisais quoi avec ton véhicule là? C'est quoi ton trafic? Bon, en fait, je suis nouveau sur l'île là, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Ah ouais, je suis tout nouveau. Ah, je dois pas avoir grand chose. Ah, 40. Ah, t'as combien actuellement? J'ai 40 dollars et 5 oignons et 2 pommes. Tu fais Y pour regarder. Ouais, 40 dollars, 5 oignons et 2 pommes si tu veux. J'ai pas grand chose, je te dis, je viens juste d'arriver. Ok, je te laisse passer la banne, mais tu me donnes une pomme. Ok? J'ai un petit creux. Je veux bien te croire avec ton Skoda, il me semble, ça s'appelle comme ça. La prochaine fois, tu paieras plus cher. Ouais, je me suis fait avoir. Avec, il m'a vendu une voiture de merde. Là, tu peux lâcher les mains de ta tête. C'est bon. Tu t'arrêtes ou je tire. Tu t'arrêtes. Téléphone, la pomme tu me l'as donné, tu fais Y pour me donner la pomme. Ah, c'est fait, je te l'ai donné. Moi je vois aucune pomme sur moi. Attends, je recommence. C'est bon, tu peux y aller. En fait, tu fais quoi toi? Mon téléphone il est plein. J'essaye de faire mon blé quoi, comme on peut. Avec la machine noire de l'île, j'ai perdu 30 millions donc. Ok. Mon téléphone du coup il est où? Il doit être par là. J'ai pas ramassé hein. Ou à l'intérieur, mais je l'ai pas vu en fait. L'ingénieur de Lille, il a disparu. Je me suis fait braquer mon téléphone.
Il est pas loin. Monsieur, il est où? Vous avez vu le... Je ne vois aucun flic. Sinon je tire, j'ai pris la balle. Ok, monsieur, suivez-moi, on va se mettre derrière le véhicule. Partez tout de suite. Venez vous mettre à l'abri. Merci. Tu reviens, je tire. Tu reviens vers moi. Monsieur, je vois l'abri derrière moi, monsieur. Bon, très bien, tu veux pas revenir? Je considère que tu coopères pas, tu es considéré comme hostile. Ça peut se finir autrement. Rendez-vous, lâchez votre arme. Attention, si vous lâchez pas votre arme, je vais vous mettre un coup de matraque dans les fesses. Ah, je ne vais pas, ma belle, venez me chercher. Ne me tentez pas. J'ai la matraque facile. Ah ben, j'entends bien, mais je vais me défendre. Monsieur, rendez-vous. Ça va mal finir. Je vais pas me rendre, je vous attends. Il y aura pas monsieur, si vous rendez pas dans les 10 secondes qui suivent, on investit le bâtiment. Et là, ça sera plus au taser, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je viens non armé. On pourra discuter, on pourra négocier si vous voulez. Apprenez que je me rendrai jamais. Dans n'importe quelle situation. Vous vous rendrez jamais, monsieur? Très bien. Quel que soit le problème. Monsieur, vous savez quand... Qu'on va être obligé d'utiliser la force, il va y avoir des morts et tout. Moi je veux pas mourir, je suis trop jeune encore. Très bien, très bien. Voyez monsieur, vous êtes encerclé. Là je vise à côté, la prochaine c'était dans votre tête. Monsieur, faites pas le con, rendez-vous, monsieur. La prochaine elle est dans ta tête. Monsieur, soyez coopératif, ça va finir en boucherie là. Faites attention, il est dangereux, il m'a pris une pomme et mon téléphone. J'ai appelé mes collègues, ils arrivent dans 10 minutes, si vous partez pas de la douane. Comme mort, hein. Ils sont plusieurs, ils vont pas être sympathiques avec vous. Ne vous inquiétez pas, hein, restez ici, vous êtes bien à couvert, vous inquiétez pas. On a affaire à un fou furieux là. Moi j'ai juste peur pour ma Skoda, j'ai mis toutes mes économies dedans, alors bon, comprenez. Monsieur, ça va finir en bon, boucherie, rendez-vous s'il vous plaît, plus. Monsieur. Ne tirez plus, je vous propose quelque chose. On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Très bien. J'ai pris le contrôle de la centrale électrique. Je vous propose que je la désactive. En échange, vous me laissez en vie, vous me laissez repartir. C'est beau, ils sont en train de négocier. Non monsieur, non. Vous voulez négocier, j'ai négocié. Il y a deux patrouilles qui sont en train de pour la vidéo. Oh, apparemment, il veut pas négocier. J'ai mes copains qui y sont, ils peuvent la désactiver si vous négociez. Je vous demande de partir et on se quitte, bons amis. Moi je veux pas d'un collègue qui tire sur mes copains. Hein. Moi je veux pas mon téléphone s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui réclame que vous lui rendiez son téléphone. Et la pomme. Le téléphone il est par terre, j'ai pas pris. Après j'ai une autre... Et le dernier Samsung. Le dernier S6, ça coûte cher. J'ai une autre négociation, vous allez m'écouter. L'otage, je connais son nom. J'ai fouillé tout à l'heure. Ce qu'on va faire c'est que l'otage... Il bluffe, il a pas d'otage. Monsieur, veuillez rester sur le bas côté ou faire demi-tour, monsieur, s'il vous plaît. Chance. Je crois que le loup est dans la tanière. Le loup est dans la tanière, je répète, le loup est dans la tanière. Très bien, monsieur, c'est un peu d'arrestation. Je vous dirai pour avoir ce retour contre vous. Je vous dirai rester ici, monsieur.
Ah oui, j'ai précisé. J'ai envoyé les coordonnées de l'otage à mes amis. Monsieur, suivez-moi, monsieur, on va aller chercher votre téléphone. Que se passe-t-il, monsieur? On a tout le temps pour parler, maintenant. Il y a eu une attaque, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien et tout. Attention, véhicule blanc en approche, véhicule blanc en approche, non identifié. Attendez, monsieur, arrêtez-vous. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Opération de police, arrêtez-vous. J'ai une offre à vous faire. Voilà. Monsieur, il va falloir que vous reveniez, là, j'ai envoyé les coordonnées... J'ai envoyé l'identité de l'otage, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que quand il sera libéré, je veux juste passer là comme mort. Voilà mon œuf. Pas rien à faire ici. Je vous ai proposé que mes potes libèrent la centrale et vous pouvez désactiver. Attendez, là, c'est plus le cas de la centrale, vous me parlez d'un otage. Oui, mais en plus de l'otage, je vous parle de la centrale. Donne tout en échange de ma libération. Qu'est-ce qui nous prouve que vous avez un otage? Est-ce qu'on peut parler à cet otage? Mais je vous ai dit, je connais le nom de l'otage. Donne, j'ai contrôlé. J'ai transmis ce nom à mes collègues. J'ai transmis ce nom à mes collègues. Le problème, c'est de la douane, il sera considéré comme personne à abattre. Je suis la radio dans les oreilles, je baisse le son. Très bien, monsieur, vous disiez. S'il vous plaît. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Prenez le nom de l'otage, je l'ai transmis auparavant à mes collègues. Il sort de la douane, il sera libéré comme une personne à abattre. Après, vous me relâchez, on oublie cette affaire. D'accord, donc il y a un otage dans la douane, c'est bien ça. Ce que vous me dites. Il n'y a plus d'otage là. L'otage, c'était le mec que vous avez libéré. Bonjour, monsieur. J'appelle l'otage, monsieur, pour que vous puissiez l'identifier. Bonjour. J'ai pas été très clair, mais il n'y a plus d'otage. Mes collègues libèrent la centrale. Pardon? Et on se quitte, bons amis. Ouais, juste passer, là. C'est pas... Veuillez partir, monsieur. Oui, circulez, monsieur. D'accord, donc un des civils présents là, qui est dans la douane, donc, et je peux pas circuler par là-bas. Si jamais il sort de la douane, il a battu ses civils. C'est votre véhicule là. La douane est fermée, monsieur. Trop de gens qui me parlent. Il y a trop de gens qui me parlent, je comprends pas. C'est votre véhicule là. On a relevé son véhicule. Bah oui, oui, le véhicule, on revoit après. Alors circulez, s'il vous plaît. C'est à la douane. Ok, très bien, comme hostile. Monsieur, on vient de me dire que la douane est fermée. Donc vous faites une tour. Il vous l'a dit son nom, c'est ça? Ah ouais. Et pourquoi monsieur Algo, s'il vous plaît, veuillez sortir de la tour. Il cherche mon téléphone. Est-ce qu'on peut savoir le nom de l'hôtel? Monsieur, veuillez sortir de la tour, s'il vous plaît. Ils vont faire comment, mais... Comment ils vont faire comment, mais... Comment les enfants qui m'attendent à télé. Est-ce qu'on peut savoir le nom de l'otage? C'est tout, point. Veuillez prendre votre petit véhicule et partir. Pourquoi? Il est parti maintenant. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je vous donnerai pas son nom. Pour le protéger, je vous le donnerai pas. Très bien. Vous considérez mon offre ou pas? Attendez, excusez-moi. Bon. Je passe en... Qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je vous ai proposé mon offre. Oui, sauf que monsieur, là votre soi-disant menace d'otage n'est pas valable vu que vous n'avez plus d'otage. Ah, mais le problème c'est que mes collègues vont le retrouver vite fait. Hein. Personne attendez, à battre. Il est à notre commissariat. Il est venu porter plainte. Ouais. Qui me dit que vous n'êtes pas en train de bluffer là pour savoir son nom? Ah non, ça sert à rien de bluffer pour avoir son nom vu que son nom je l'ai déjà du coup. Très bien, très bien. Du coup après si vous voulez toujours le tuer, allez-y, venez le commissaire. Vous avez la centrale qui est en cours, qui a été pris.
Donc oubliez l'otage si vous voulez, mais prenez en compte ce que je vous propose au niveau de la centrale. Vous avez quand même toute l'île qui est éteinte là, il n'y a plus de lumière. C'est une offre à prendre. Monsieur, c'est à vous le véhicule ici là? Oui oui je récupère, j'ai été intercepté par la personne que vous avez arrêté là. Ah d'accord, autant pour nous, bon on va annuler le dépanneur, on avait appelé le dépanneur et ça gênait la douane là. D'accord, merci. Mais, allez-y, y a pas de soucis. Pardon, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Alors, comment on voit? Alors, là, je suis où, là? Je suis ici. Bon, du coup, faut que j'achète un nouveau téléphone. Attends, il me dit quoi là? Mais pourtant, j'ai ramassé le truc, c'est ça que je ne comprends pas. Au magasin général. Et où est-ce qu'il est, le magasin général? Centre de dépistage. Oula, c'est le bordel. Bon, mais je suis bon pour retourner à... Ah, c'est chier quand même. Quincaillerie, vendeur de licence. Centre de dépistage. Quincaillerie. Je vais me rendre à Attira. Ouais.
Bon, alors, on va essayer. Attendez, je vais changer un petit peu le. On se met sur le côté. Voilà. Il retourne dessus. Aïe. 6 500 $ à Gordon. Bon, je vois l'essence que qui me reste là. Allez. Comment je vois l'essence qui me reste dans mon véhicule là? À gauche ici, c'est pas possible. Bon, faut que je la vende cette. Ouais, ça c'est de la contravention ça. C'est bon, il faut viser.
Attends, comment on fait pour vendre la voiture là? Un garage, ou un garage, ça? J'espère qu'il va pouvoir m'en racheter, hein, parce que là, j'en veux plus de cette voiture. Hein. Comment je peux vendre? Alors, comment je peux vendre un véhicule? Dites-moi, comment est-ce qu'on peut vendre le véhicule? Parce que là, j'ai acheté ça, mais je me suis fait arnaquer. Ah, ben tu ranges ton véhicule. Je me rappelle plus comment on vend. Je crois si tu ranges ton véhicule et puis tu vas au shop. Et là, tu le vends. Et comment je le range? Parce que j'essaie d'aller là-bas sur la console et il trouve pas de véhicule. Suis-moi. Alors ici t'as le véhicule garage, puis si tu mets un coup de roulette à ta souris, tu vas sur store véhicule in garage, tu le vois? Ah ouais, c'est bon, ok. Voilà, tu le sélectionnes et normalement ça va dans le garage. Et après tu retournes sur véhicule garage, tu sélectionnes ton véhicule et tu fais vendement. Ok, merci. Voilà, l'ami. Mais bon, ton véhicule est encore là, t'arrives pas à le ranger. Ah non, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça y est, c'est la merde, tout le monde arrive avec les véhicules, on peut plus rien faire. Ah de lui, il a même pas de roue, il roule sans roue.
Ah, il y a un tas de pneus là, tu devrais mettre une roue. Cher les roues. Faut laisser ça au garagiste. Salut Valentin. Salut, salut. Comme vous voulez les gars, vous rangez vos véhicules, comme vous voulez, on n'est pas pressé. Hein. Mais en fait, les garagistes ils mettent tout le temps à venir. Chef, le serveur il dit qu'il a du mal. Bah normalement il est rangé mais... Théoriquement c'est bon. Je sais pas. Le serveur est calme. Ça vous gêne pour sortir un véhicule là ou pas? Il essaye. Voilà, mais là ça va, je crois qu'il y a... Ah, ça y est, ton véhicule, il est rentré. Ah, ça y est, ouais. Recherche de véhicule. On va y arriver ou pas là? Le serveur, il a du mal, hein. Là, c'est une dope ce truc là. Mais tant que je meurs de soif là. Oh là. On va pas y arriver là. Oh, c'est pas possible. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Merci messieurs, bonne journée. Bon du coup là je suis en train de crever de soif là. Quincaillerie. Où est-ce que je peux... Quincaillerie, je peux trouver la boue. Attends, vendre la licence.
Champ d'oignon. Si je bouffe un oignon. On va essayer de se prouver à boire. J'espère qu'ils vendent de l'eau un peu à la quincaillerie, parce que sinon je vais mourir. Alors. Quincaillerie. Ah non, quincaillerie, c'est la quincaillerie là. Ah bah tiens, un téléphone. Combien ça coûte? Comment ça j'ai pas assez? Pourquoi il m'a pas mis l'argent là? Sur quoi il me l'a vidé? Ah, il me l'a remis sur le compte. Ah ouais, mais attends, je vais mourir là. Ah, super aide en dehors de moi ici, d'accord. Je vais là. Il n'y a pas d'AT... Si, il y a un ATM sur le chemin. Ah oui, juste là. Allez vite, je meurs de soif. Bouteille d'eau, allez. Acheter. Allez, on boit un coup. Ah, ça va mieux. Allez, en préventif, j'en prendrai une. Voilà. Alors, en préventif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme business là? Je vais faire le business des oignons là. Le business des oignons. C'est où? C'est loin. Hein. Attends, il est où? Je vois pas. Ah oui, là-bas. Je vois même pas le pointeur. Ah, mais les oignons, c'est la bouffe en fait. D'accord. Dans ma chaîne, ça je me suis fait arnaquer, hein, c'est de la merde. Oh, 115 km, il rigole ou quoi? J'arrive à voir.
une Clio quoi, une Clio RS. 28 000. Un passager 3. Ouais, 28 000 quoi. 28 000. Alors, c'est 22 heures. Bon, ce que je vais faire, je vais aller... je vais aller jusqu'au champ d'oignon là-bas. Attention en traversant. Jusqu'au champ d'oignon. Je vais en ramasser quelques-uns. Et je vais me déco. Je vais arrêter le live ici. Au moins pour l'Altis, Altis Live sur Oignon. Et je vais voir si l'ami Jack Miller est encore cause sur Rocket League. Et à ce moment-là, je le rejoins. Un pompier. Vingt-huit policiers. D'accord, un pompier. Un pompier. Pas beaucoup de pompiers, hein. Ça c'est un boulot que je pourrais faire ça. Vous avez reçu un salaire de 2500 $. Ah ouais, bien. Dans 15 minutes. Ah tiens, c'est cool ça, je sais pas qu'on avait un salaire. En plus de... Ah, y a pas d'oignon. Oh, ça marche. Il n'y a pas d'oignon, mais on arrive quand même à ramasser. Ça, c'est fort, ça. Bon, on ramasse, hein. Tant qu'à faire. Ah, toutes les 15 minutes, on a 2500 $. Bah, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Alors. Donc, en fait, tout à l'heure, on a croisé... On a croisé Xena 82, ouais, qui est venu nous donner un petit coup de main quand on s'est fait racketter. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, je me remplis encore les poches d'oignons, je vais sentir... Je vais plus à 10 km. Alors du coup, le sac à dos me sert à quoi là si je peux pas foutre les oignons dedans là. Alors. Hop. Alors, ce que je vais faire, hop là, j'ai cliqué sur sauvegarder. Je clique sur sauvegarder. Je vais ensuite, alors je sais pas s'il y a 20 secondes. Appuie sur échappe. Et voilà. Allez, on se déco du serveur Oignon. On se déco du serveur Oignon. Toc et toc. Et premier live sur serveur Oignon Altis Live. J'étais un petit peu j'étais pas très très chaud, bouillant. Puis finalement on s'y fait bien, hein. On s'y fait bien. Donc
Expérience à réitérer sur du. Tiens, il me semble que la webcam, j'ai un peu la tronche tirée là, non? Voilà. Donc, ouais, expérience à réitérer sur du. Sur du Altis, Altis Life Oignon. Et ouais, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Bon, c'est du RP, hein, donc après, faut jouer le jeu. Hein. Mais ce qui est voilà, sur la petite prise d'otage, quoi, le braquage dont j'ai été victime, ouais, c'est assez sympa, quoi. C'est assez sympa parce que ça joue le RP, mais avec des petites pointes d'humour, donc ça met tout le monde à l'aise. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite, parce que là, tout de suite, on va essayer d'aller faire un petit Rocket League avec l'ami Jack Miller et puis ses potes. Voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Je vous dis à tout de suite, et sinon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.